Meghan Markle et le prince Harry ont échangé un baiser langoureux lors de leur dernière apparition en public. Meghan Markle est apparue dans un look rappelant celui d'Audrey Hepburn dans My Fair Lady. Le couple a été rejoint par de nombreuses célébrités lors d'un tournoi de polo. Meghan Markle a largement été remarquée lors de sa dernière apparition en public. En effet, alors que son mari a rejoint l'équipe de polo Los Padres, la maman d'Archie et de Lilibet a fait le déplacement pour l'encourager, selon les informations du Daily Mail. Elle a alors débarqué dans un look à la My Fair Lady, chapeau noir à large bord, chemisier à pois noir et blanc et un short taille haute plissée. Un look qui rappelle bien entendu celui d'Audrey Hepburn dans le film My Fair Lady, sorti en 1964. L'épouse du prince Harry était également sur place pour remettre le prix à l'équipe gagnante. Meghan Markle a également été remarquée pour son baiser enflammé déposé sur la bouche de son époux. Une preuve d'affection tellement forte, que la duchesse de Sussex a été contrainte d'essuyer les lèvres de son mari, sur lesquelles, elle avait déposé du rouge à lèvres. Nos confrères du Daily Mail établissent alors un parallèle avec le baiser bien moins démonstratif, donné par Lady Diana au prince Charles, en 1985, après sa victoire au polo. Il faut dire que ce sport est une passion dans la famille royale britannique. De nombreuses célébrités présentes au tournoi du prince Harry. Le prince Harry pratiquait déjà le polo avec son frère, le prince William. Mais l'époux de Meghan Markle a souhaité aller plus loin en intégrant le club Los Padres, dirigé par l'un de ses amis, Nacho Figuer, qui est une véritable star du sport argentin. À tel point qu'on le surnommait le David Beckham du polo. L'équipe du prince Harry a d'ailleurs remporté le trophée Lil Nixon Memorial. Un événement qui a d'ailleurs attiré des célébrités telles que Rebel Wilson ou encore Abigail Spencer. Si est donc devant toute l'équipe de son époux mais aussi des stars que Meghan Markle cesse de faire remarquer par sa tenue mais surtout par son comportement qui l'éloigne encore plus des codes de la famille royale britannique. Loading Widget.